Non, pas moi, c'est Pasteur Patrick Joachim, qui est avec vous aujourd'hui. Nous avons avec nous un invité spécial qui c'est Pasteur Docteur Moïse Vaval. Alors, je vous dis à c'est lui-même qui nous a un sujet bien déterminé, nous allons parler de lui. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Patrick, comment vous allez? Nous très bien avec Jésus. Alors, je vous dis à nous venir encore pour une autre émission. Avant nous entrer même dans. Nan kozi an nan tout bagay yo, pasteur. Est-ce qu'on ka pale nou un peu de ou men? Bon, salut tout telespectateur yo. Nou vreman kontan man seman vek nou. Joun di a mwen mwen se Moïse Vaval. Mwen son Haitien, wèm pale kreol. Donk se Haitien ke mwen, mwen sosi nan pepe kreole Haiti ya. Mwen fèt nan fami ki te genyen, ki te nou de. E mwen grandi principalman nan Port-au-Prince. Mwen fè ekol biblik nan Ministère Pêcheur d'Homme, côté que moi j'ai pris licence soin. Après ça, j'ai fait maîtrise, doctorat dans l'école qui est le Slidell Baptist Seminary. Donc, moi, c'est mon pasteur qui a milité. Actuellement, moi, fonctionné comme missionnaire dans New York et m'aller de temps en temps en Haïti, faire travail missionnaire. Alors, merci, pasteur. Et nous t'en dit tout détail. Alors, question nous est. Étant que présentateur, question nous avons pour aujourd'hui, avant même encore nous rentrer dans le détail, la question c'est comment vivre de l'évangile? Comment ou même vivre l'évangile? Comment moi vivre l'évangile? Bon, l'évangile, c'est une puissance pour sauver quel que soit le monde qui croit là-dedans. Donc, dans ce sens-là, moi-même, je suis croyant, donc je suis sauvé par la foi que je mettais dans Jésus-Christ, mais en plus de ça, je suis un monde qui a posé. Action également. Premièrement, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, moi entré dans le ministère, m'ont fait travail, m'ont formé moun pour avoir un bon Dieu. M'ont cherché un homme, non seulement ça, tout m'a formé des leaders pour capable continuer à faire travail là. Et ensuite, avec toute imperfection que j'ai dans la vie, moi sur le monde, j'ai pu essayer de mettre en application ça, la Bible a dit. Alors, merci, pasteur. Kounya là, nous tendons. Toute biographie pasteur, nous avons tout bagaille. Et puis, je dis à nous gagnons un grand sujet qui s'allie. C'est que non seulement pasteur, mais encore docteur. Ça veut dire que docteur a un livre, il a mis de il a mis de est-ce que, alors moi, je ne vais pas faire un livre, c'est docteur seulement qui pourrait parler, docteur, pasteur qui pourrait parler exactement de livre là. Alors, serviteur, docteur, alors, titre livre là, c'est qui j'en lis, qui j'en titre livre là, et comment ou j'en inspiration ça pour écrire livre ça? Mon père, je vais dire, titre livre là, c'est un titre qui est très simple, mais qui est capable d'un petit genre provoquer le monde, pas vrai? C'est les vérités cachées aux fidèles. Les vérités cachées aux fidèles, c'est un titre qui est vraiment intéressant, mais ce n'est pas juste un titre pour attirer le monde, c'est parce que tout simplement dans le livre là, on voit que le contenu hein, est vraiment cadré avec ça que. Avec titre ça que nous bah livre là et pour inspiration livre ça titre ça il sorti loin et les gars pile bagay qui associé ensemble avec lui. Premièrement c'est un serment que moi j'ai joint sous Lévitique 23 qui a rapport avec les fêtes de l'Éternel. Maintenant les moi j'ai joint enseignement ça ton petit gens bouleversé, il était bouleversé dans quel sens parce que à l'époque moi j'ai fait maîtrise moi dans ça ou les théologie entre guillemets. Et puis moi je viens réaliser que c'est un enseignement qui est dans la Bible là que je pas au courant de yo, je pas jamais au courant de bagage qui ont existé. Donc ça c'est premier bagage. Deuxième bagage qui gagne c'est une rencontre que moi j'ai fait lorsque moi j'ai fait une visite un tour d'études pendant 15 jours en Israël et à ce moment-là je pas rencontré un noir dans la chambre d'hôtel que moi j'étais là, là moi m'a dit là me dit est-ce que il parle français, il dit non, il dit dans quel pays Afrique que il sorti, il dit non, lui-même il pas africain, il me dit qui est-ce que il dit ils sont juifs. Ça a un petit genre paraît bizarre parce que je n'ai pas de gens habitués avec les juifs noirs. Donc, même ton petit genre rit ça. Mais tout de suite après, je vais essayer de questionner ça et je vais trouver que c'est moi qui suis ignorant. C'est moi qui suis ignorant. Il y a assez de détails, il y a assez de documents qui existaient qui parlaient de juifs noirs. Et à partir de ce moment, je commence à faire des recherches sur l'identité de nous-mêmes comme haïtiens. Donc, je vais préparer un livre sur l'identité de nous comme haïtiens. Livre ça, premièrement. Pour être capable de permettre de combler l'ignorance que j'ai gagné par rapport avec le juif noir. Mais également par le fait que je connais que je fais une étude doctorale en théologie,
livre ça t'a pas servi comme thèse pour moi sortir ou bien comme document pour me laisser à génération. Mais pendant m'a fait recherche ça, moi pral joindre que li plus important pour me sortir un livre sur doctrinal, sur question doctrinal que sur question ethnicité. Donc à partir de ce moment, me préparer les vérités cachées aux fidèles. Alors merci pasteur. Gayon bagarre dit là c'est que ça veut dire que c'est pas premier livre à sortir. Ça veut dire vous sortez des livres déjà. Ça veut dire que si vous sortez des livres déjà qui titio et puis qui livre yo est, est-ce que c'est un enchaînement qui vient tomber sur les vérités cachées aux fidèles ou bien et qui ça exactement l'autre livre de parler de yo. Moi écrit plusieurs documents. Nous là dans son livre que moi t'ai écrit en Haïti qui était pour servir comme document d'enseignement à l'église que nous avons dirigé. Ensuite moi pas écrit, moi pas sorti en 2015 un livre qui est capable de sur Amazon, c'est Your Inner Strength. Donc ça sont livre vraiment qui officiel qui sorti. Ensuite moi écrit environ trois autres livres qui pour publier. Donc ça parle deuxième niveau officiel que moi pas publier. Donc alors que moi j'ai trois autres livres qui en attendent. Bah, quand tu me réponds à la question, tu as aspect que tu m'as changé. Papa. Oui, ou répondre à la question, non, moi, tu es est-ce que exactement le livre, oui, ça. Oui, très bien. Non, c'est pas, il n'y a pas une continuité avec ça m'écrit déjà. Au contraire, si moi, tu as écrit le livre, ça, peut-être qu'il y a des balles que tu as écrit en avant, déjà que tu as écrit, parce que le livre, ça lui-même, il est vraiment son livre qui est très profond. Wow, ok. Quand il y a là, nous parlons entrer dans le livre là, exactement, parce que vous dites son livre qui est très profond. L'autre dit un livre qui est très profond. Et qui sont entendus par ça par là, alors disons le qui est très profond. Donc, d'abord, si tu vas supposer, faut commencer à réfléchir les vérités cachées aux fidèles. Donc, qui genre de vérité que et pour qui ça vérité ça au caché. Donc, c'est autant de questions qu'on est capable de poser tantôt. Donc, nous entendons par un livre qui est profond, son livre qui est écrit pas juste pour dire amen. C'est pour un livre qui pour sentir à l'aise non soit pratique ou bien quoi. Pourquoi dans la dénomination religieuse, mais son livre qui pour faire appel à vous pour réfléchir, et qui pour son livre qui a un aspect recherche là-dedans, son livre qui a un aspect documentation là-dedans. Donc, sous ta vle que moi simplifier ça m'a dit, ou changer les chrétiens du Béry, pas vrai, ou les croyants du Béry. Oui, parce que pour là, avec compagnie et l'autre aller là, nous disons que monsieur, ça a été un sentiment noble, le recevoir. Et parole bon Dieu avec un peu de joie, avec un peu de content. Mais au doute, que tu as sondé chaque jour les écritures, puis tu vois si ça, Paul, tu as dit c'est la vérité. Donc, tu es capable de voir un contraste qui est très profond, qui est très marquant entre chrétiens, je dis, avec croyants, ça qui n'a pas été. Je dis à mon croyant aussi, amen, il a dit. Donc, tu ne pas chercher pour connaître que ça qui a dit c'est la vérité. Donc, le livre, ça, c'est un livre qui m'a donné un peu de réflexion. Donc, il y a pile d'éléments de recherche là-dedans, il y a pile preuves qu'il a dans qui sortent dans la Bible là, donc pour faire mon réfléchir. Oui, pasteur Vaval. Alors, le livre là a 13 chapitres, d'après ça, moi regardé là. 13 chapitres. Premier chapitre là, il parlait de la pensée de l'Éternel. Alors là, quand il y a là, la question là, c'est pour qu'il soit rentré juste dans la pensée de l'Éternel. C'est une très bonne question. Effectivement, nous traitons dans le premier chapitre la pensée de l'éternité. Donc, la Bible a dit comme ça que bon Dieu mettait la pensée de l'éternité dans l'homme. Mm-hmm. Et pour que ça m'ait traité ça, parce que c'est extrêmement important. Une raison que le monde mal interprété la Bible, une raison qu'il y a des doctrines dans la Bible que nous avons supposé pratiquer, que nous n'avons pas pratiqué, et qu'il y a d'autres doctrines que nous pratiquons qui n'ont pas gagné pour la Bible. C'est parce que nous ne comprenons pas l'aspect ça. Bon Dieu, il mettait la pensée de l'éternité dans nous-mêmes. Tout ça, bon Dieu a fait, il est entré dans le schéma éternel. Parce que bon Dieu lui-même, il sait l'éternel. C'est peut-être ça, l'éternel des armées. Donc, nous lisons que bon Dieu n'a pas de changement dans lui-même, il n'a pas de variation dans lui-même. Et l'apôtre a dit comme ça que il n'a pas même d'ombre de variation dans lui-même. C'est pour expliquer que bon Dieu lit l'éternel. Donc, ça m'a cherché dans dans le chapitre ça, c'est mettre penser ça, c'est fait que le lecteur yo réfléchit à bon Dieu à l'intérieur de l'éternité, dans une perspective éternelle. Pour pas penser que bon Dieu lui-même, jodi c'est un monde, demain si Dieu veut son autre monde,
dépendant de sa entre guillemets dispensation que lié, il fonctionne aux façons, il fonctionne en l'autre façon. Donc c'est peut-être ça que nous traitons dans le premier chapitre là, la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Mm-hmm. Alors c'est un bel, pour moi je suis en santé, c'est un bel chapitre, la pensée de l'éternité. Alors, pasteur nous, docteur, parce que vous portez des chapeaux là, je dis à la. Mais faut dire, si je me permets, c'est Moïse, frère Moïse. Alors, d'accord, oui, mais les maps gardées contenu qui n'a même pas là, moi, m'de quand même plus, m'de quand dit docteur Baval, sans battre même mettre pasteur. Et parce que nous connaissons, ou bien chapeau ça, chapeau pasteur, chapeau et docteur. Et question moi, étant que docteur. Qui j'en ou senti ou nan pour en tant que docteur et pasteur à la fois? En fait, sous prend docteur dans le sens biblique là, il tout simplement signifie au monde qui a une capacité pour lancer. Et une caractéristique d'un pasteur, c'est habilité pour le capable lancer. Parce qu'on n'est pas capable, ou pas bon pasteur pour sont pas capable d'enseigner. Maintenant, ça que nous comprenons dans le ministère, il y a un monde qui portait plusieurs chapeaux. Il y a un monde sous seul chapeau que les gens doivent pasteur, il y a un monde qui doit seul, il y a un monde qui doit évangéliste, il y a un monde qui doit apôtre. Mais on voit que il y a des hommes qui sont capables de porter plusieurs chapeaux dans le ministère. Ça. Maintenant, c'est compatible avec ça, la parabole des talents que Jésus-Christ sauve nous, Seigneur, à tes bails, qui montre que il y a un monde qui sont talents, que au bail, il y a un monde qui a deux talents, il y a un monde qui a trois talents, il y a un monde qui a cinq talents. Maintenant, il y a ça, une compatibilité entre être pasteur et docteur, parce que soit dirigeant tout pour, donc il est vraiment important pour capable gagner ça, une capacité pour capable enseigner mon ça. Donc, le pasteur a dans l'église, c'est prendre soin de mon yo, sur le plan émotionnel, prendre soin sur dans tout aspect, on est capable de dire dans l'aspect holistique de fidèle, yo, tout besoin fidèle. Yo. Mais une bagarre qui est bien important, c'est montrer mon ça comment pour marcher dans la voie. Bon Dieu, enseigner les voies de Dieu, montrer le chemin de l'éternité, montrer le chemin de la vie éternelle. Ok, pasteur. On va continuer toujours sur le livre-là. Et c'est une belle approche que vous faites pour nous. Et entre pasteur et docteur, et on dit plus remet les relais. Frère ou bien Moïse. Très bien. Et alors, moi-même, je suis toujours un pasteur ou bien docteur, parce que c'est lui qui dit comme là. Alors, question nous gagne dans le livre là, une question nous gagne sous le livre là, toujours parce que c'est sous le livre là, nous y est. Et en tant que pasteur, ou écrit les vérités cachées aux fidèles, est-ce que ou même ou senti que gagne bagay ou t'as droit de fidèle yo, ou pas dit yo li? Et puis qu'on y a la bon Dieu bonne révélation ça dans livre là qu'on y a écrit comment pour qu'on pour faire face avec vérité ça qui était caché. Effectivement, il y a des bagages que moi t'ai dit fidèle yo que moi pas dit yo et il y a des bagages moi pas de dire que moi t'ai dit. Maintenant livre ça l'hypothèse correction avec eux-mêmes à tout bagage ça une fois pour toutes. Maintenant sous besoin mais quand ça m'a pas par rapport avec question ça sont devoirs que moi fait avec moi depuis environ 2 ans, que tout le monde qui était sous conduite, mais sur le plan spirituel, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit comme étudiant dans l'école biblique, moi, fais attention, moi, fais diligence pour capable consulter pour me dire, écoutez, voilà, on s'excuse, mais de ce côté, on a commis des erreurs. Donc, parce que moi, pas bien conscience pour moi connaître que moi, j'étais dans son bagage qui n'est pas correct. Et pour moi pas côté correction pour pas dire mon yo que moi que nous te font erreur. Maintenant avec ça qu'on y a là moi capable dire que moi gagne conscience en paix et moi prêt pour me capable faire route moi n'importe les bon Dieu t'a relé moi connais que moi prêt pour m'aller parce que erreur que moi t'ai fait dans vie moi corrige moi monsieur quoi être chrétien ou bien ça si nous dit être croyant va vrai ou qui croit dans Jésus-Christ c'est ça que tu as supposé vie nous son vie de repentance regardez que bon Dieu toujours a voué prophète pour que ça le voie. Il voie pour prêcher message de repentance dans la Bible. Qui ça? Il dit peuple Israël, regardez, ou abandonnez-vous à bon Dieu, tournez sur vous à bon Dieu.
Jean-Baptiste vini qui ça le fait. Il fait ma, même bagarre, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus vini qui ça le fait, il fait même bagarre là. Et dans le dernier livre là qui c'est Apocalypse qui s'est passé. Ouais, Jésus-Christ prêche qui ça, la repentance, c'est moi de cette église pour repentir. Repentir qui veut dire qui ça, ou t'es son mauvaise voie. Et bien ou supposé quitter mauvaise voie pour que capable marcher dans voie qui doit être là. Donc c'est pour bagarre qui nous vaut dans la vie l'évangile. C'est pour bagarre qui nous vaut dans la vie croyant. Au contraire que nous-mêmes nous supposons comme croyants mais nous vivons de repentance de chaque jour. Tout côté que nous gagnons mal dans la vie, nous bagarre qui pas correct, bagarre qui pas conforme avec vérité biblique là, ben nous supposons corriger au fur et à mesure jusqu'à ce que nous capables faire bon Dieu plaisir. Donc si nous gardons vie nous sur le plan personnel, ma pour me commettre un pile péché, ma pour un pile bagarre que moi fais, peut-être que moi monte de moi-même, peut-être que je dis à moi pas tape commettre. Est-ce que moi obligé continuer à vivre là-dedans? Absolument pas. Bagage ça s'est passé que jeudi à c'est le jour de la repentance, je suis posé transformer vie. Mais sur le plan collectif également, ça qui est sur le plan personnel là, qui vrai à sur le plan collectif également. Donc l'Église, les croyants, si on sait le bagage que l'on a pratiqué qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, nous besoin de repentir, nous besoin de quitter. Alors, merci pasteur. Et ça veut dire que vous répondez à une question, on a bien et je suis content ça. Alors, on a continué avec même question, avec même quantité de questions. Alors, deuxième chapitre, là, il parle de appliquer toute la parole. Appliquer toute la parole. Alors, on ne va pas prendre tout chapitre maintenant. Mais, là, dit appliquer la parole. Appliquer la parole. Est-ce que ça veut dire que nous, pasteurs, pas appliquer la parole, j'ai eu tard de appliquer, ou bien est-ce que yo appliquer mais gagnon petit dégui yo quitter, parce que l'homme était appliquer toute la parole sauf les dit même dans chapitre. Frère Gabriel étudie dans mystère péché d'homme, mais n'est pas extrêmement important. Yo toujours était toujours mis accent dans à étudiant yo pour répéter verset Jean. Donc c'est n'était qu'à dire appliquer la parole, parce que la parole était la parole, même j'ai appliqué toute la parole. Tout ça est vraiment extrêmement important. Ça que nous trouvons, lors d'étudier la Bible, on doit étudier. Et ce n'est pas arrogance, ça, il va dire, ce n'est pas arrogance. C'est difficile pour nous démentir ça, on dit. Là, on est capable toujours démentir ou bien vous répéter, mais venez avec argument biblique, il va être capable, on te dit. Mais ça, nous sommes capables de garder toute dénomination religieuse chrétienne qui existe. Pasteur Patrick, yo gen sa ou approche sélective. C'est comme si m'te ka vinn là, yon paquet bouteille d'eau là, puis m'gade, m'wè ça et puis m'pran ça mwen pou. Ba ou konprann kote m avèk wala? Gen doit plusieurs raisons qui fait ça. Gen doit parce que m reme bouteille ça, l'autre bouteille là que m pa reme. Gen doit c'est parce que parents m te reme, t'ai enseigné que soit prendre l'eau pour boire bouteille ça, mais quand même son approche sélective que lié. Parce que pas prendre toute bouteille d'eau pour boire. La Bible il pas comme ça. La Bible pas comme ça. La Bible même c'est pas un paquet de bouteilles d'eau que il mettait là pour boire en bouteille là-dedans. La Bible il pas parole là. Toute parole là, c'est parole là que dit. Maintenant, l'on regarde toute dénomination, que ce soit adventiste, que ce soit pentecôtiste, que ce soit nazaréen, que ce soit baptiste, pour que chaque monde le prend bagage que attaché avec lui. Et puis chaque monde quand peut sous position, il critique l'autre là, il dit l'autre là il pas bon, que ce soit méthodiste, tout le monde est. Mais au fond, l'on regarde ou après que chaque monde bon bagage qu'on prend et chaque monde bon bagage qu'on quitte de côté. Non seulement ça tout, ou après majorité dans nous-mêmes, dans des nations chrétiennes, nous mettons en dedans l'église, nous c'est du bagage qui n'a pas rien pour nous avec la Bible. En fait, ça qui est un petit genre désastreux, qui fait mal là, c'est qu'un pile bagage, que nous prenons, qui n'est pas dans la Bible, que nous venons mettre dans l'église, parfois, nous tellement pratiqué longtemps, nous n'avons pas qu'à différencier avec ça qui parle bon Dieu. Je dis que tradition, coutume sont deuxième nature. C'est comme si bagage vient siéger comme reine ou bien comme moi dans l'église, comme parole bon Dieu. Et pourtant, nous n'avons rien pour avoir avec parole bon Dieu. C'est bagage païen qui est, c'est bagage le monde qui est. Alors que parole bon Dieu lui-même nous mettait de côté. Donc c'est peut-être ça que nous dit appliquer toute la parole de Dieu. C'est une approche, dans le chapitre, ça n'a pas été
montrer mon yo, mais pour quelle raison? Pour appliquer toute parole de Dieu, c'est pas pour moi qui te mon sauve. Est-ce qu'on peut parler nous exactement contenu livre là qui Jean ou même bon Dieu inspiré pour faire tout travail ça moi fait là. Bon, son travail qui est capable de que bon Dieu fait grâce pour me faire. C'est pas un travail qui fâche que lié parce que il gagne en pile me capable dire souffrance qui a de là-dedans parce que obligé passer des heures pour travailler là-dedans et moi gagne et monde qui était capable de confirmer ça le ça c'est le peut-être tout capable de travailler peut-être à faire l'argent pas vrai mais finalement obligé consacrer pour faire recherche pour étudier livre là maintenant ça forme tout ça moi joindre là-dedans c'est que plus soit les livres la Bible c'est plus soit découvrir là-dedans. Ça sont bagages pas à comprendre là-dedans. Bon, me fait expérience là hier soir côté que matin me lever à 4h20 m'attend des bibles là sur audio m'attend des bibles là. C'est des passages que étudie dans l'école biblique, c'est des livres qu'on compte prêcher là-dedans mais bagages m'a découvert qui lié avec ça relié la pensée de l'éternité de Dieu. Son bagage qui extraordinaire que maintenant livre là on regarder pour voir pourquoi que son travail qui tenu compte en pile de sa bible a dit mais il tenu compte de questions que mon a posé tête. Naturellement, c'est pas tout le monde qui pose cette question. Quel monde qu'à l'église, il y a un message où dit amen et puis au fini. Mais quel monde lui-même qui est allé, il est intéressé pour qu'on ait la Bible, il est intéressé pour qu'on ait la vérité. Monde ça a des questions que très souvent que pas une réponse pour eux-mêmes. Très souvent pas une réponse. Et on doit poser une question au pasteur, même comme pasteur ça arrive, on pose une question ou dit monde là bon ou ba mon explication pas québec ou dit on nous croit pas la foi. Est-ce qu'on comprend? Donc en pile monde qui ont croyance, excusez-moi, entre guillemets, par la foi. Ou puis on a cela ou qu'on croit pas la foi. Mais ça fait que son croyance par la foi, c'est parce que croyance là on pas capable d'expliquer. Mais pas oublier que l'apôtre Paul dit faut nous toujours prêts pour nous bailler une réponse pour qui ça que nous croit. Est-ce qu'on est ensemble avec? Oui, voilà. Donc dit monde que par la foi croit ça par la foi nous petit Jean pas fini kebe. Et parfois réponse que théologien au bail il fait avec une lunette de théologien. Qu'est-ce que ça veut dire? La théologie par l'autre bagaille que l'homme qui a péché expliquer bon Dieu. C'est ça que dit. Okay. Donc mais vous dites mais pourquoi ça me dit ça? Est-ce que vous pensez dans la définition de théologie à mot composé là? Est-ce que vous pensez que l'homme capable d'étudier bon Dieu? Est-ce que vous pensez qu'on est infini que un homme fini capable d'étudier? Est-ce que vous pensez que être éternel dans le temps et l'espace, que nous-mêmes qui avons une durée de vie sur terre qui est limitée, nous sommes capables d'étudier ça? Absolument pas. Nous sommes capables de connaître bon Dieu dans la mesure où bon Dieu a décidé pour le révéler tête à nous-mêmes. Donc maintenant, ce qui vient de passer, c'est que nous tenons compte des questions que nous avons posées, que nous n'avons pas une réponse plus. Regardez, chaque chapitre que moi traité, on va prendre des questions. 3-4 questions que moi poser. Mais on va poser une question. Côté, j'ai une question ça, très simple. Il y a un pile de sujets, ça va pas tout, que moi présenter sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, ouvert pour moi poser des questions. Donc, un pile de questions que vous posez, moi, je tenu compte de vous-même. Maintenant, il y a l'autre question que j'ai mis en particulier poser. Et non, même si tu as parlé avec des livres, poser des questions ça, moi, je tenu compte de vous-même. Il y a des questions que collègues m'ont posé, moi, tenu compte de vous-même, moins traité yo, gen environ presque 40 questions que moi répondre dans livre ça. Maintenant, ou après dernier chapitre là, 13e chapitre là, il c'est question seulement répondre. Ou après que il terminé, pasteur, j'ai d'autres questions. Ouais, c'est comme ça que l'a terminé. Donc ce livre là, il terminé, ça veut dire que son livre qui mettait un pile accent sur questions que mon a posé. Bon question qui est extrêmement importante. Gen une question que toujours poser, que me te connait poser tout. Que pas jamais une réponse en quelque côté. Capable de bon Dieu, fais-moi grâce, moi je ne réponds pas qui s'accueille. Okay. C'est un être qui est éternel, un bon Dieu qui compte toute bagaille. Comment capable d'expliquer dans Genèse que lui dit comme ça que nous lisons dans Genèse que bon Dieu repentit de ce qu'il a créé l'homme? Comment expliquer ça? Ah ben, il y a un pile bagaille que théologien dit de ça. Mais recherche, mais pas le montrer que réponse, ce n'est pas ça du tout.
dans livre ça dans livre là nous bail réponse ça les moins je ne réponds ça m'pa bon menti serviteur moi tout comme fait ça le chef de poule tellement saisi moi même pour moi son petit effort plus que moi fait un petit effort un petit temps plus que me passer dans les paroles là un petit temps plus que me passer dans la prière bon Dieu aide moi et puis je ne réponds ça moi bail réponse ça dans livre là et réponse ce que me bail livre là correct et grand pile question comme ça que nous répondre donc moi pense que son livre qui est vraiment important que mon ta supposé lire ah ça moi même guetant à prendre là à Lille alors et question pas moi c'est toujours ce livre là c'est qui le livre là a sorti au fond d'où livre là m'te veut sorti semaine ça pour Peter mais forme jour que ça m'a réalisé moi pour qu'au fin prêt c'est pas un pile bagage qui manque on connaît livre là écrit en français et français pas langue nous que lire langue nous c'est belle créole que m'a parlé là vous comprenez côté mien avec moi là donc dans ce sens là gagner un pile petite correction qui fait déjà là dans lui même gros petit film comme petit film là il exige un pile et donc une erreur que m'étais fait m'étais payé coup pour lui pour aller à l'institut français est-ce que côté mais pendant pas l'institut français mais pas son bénédiction les mots maintenant les ici on a un monde qui a regardé livre là dans tout le monde qui a édité livre là ça qui a accepté participants ensemble avec moi parce que vous depuis premier chapitre là on lui pas pété mais ça soit peut-être parce que pas mais ça cap traité ou bien la pensée de l'éternité là où tu joues toi pas dans niveau dans le sens que toi bas peut-être ou ça c'est dit ça c'est quatre l'auto bon bah quoi parce que livre là c'est parole bon Dieu qu'il parle il pas parler de théologie de pas parler de parole bon Dieu moi pas théologie maintenant c'est ça Christ fait Christ lui même il et la fait correction non seulement corriger faute française mais il dit est-ce qu'on a plus bah détails sur ça? Oh, est-ce qu'on a plus argumenter ça? Oh, c'est bien ça. Donc en plus fois on prend ça ou les un paragraphe que moi écrit, moi obligé réécrire encore. Est-ce qu'on comprend? Tant qu'au chapitre 7 là, hier soir moi refais introduction. Parce que une seule fois je lui demande pour me regarder et puis l'aime regarder moi ça dit maintenant moi que il gagne raison et ça fait moi changer toute introduction. Pour qui ça c'est important parce que l'âge que si c'est jeune. Son livre que m'a écrit pour génération qui vient pour jeunes. Donc moi besoin qu'on ait comment on jeune la livre là comment le recevoir. Est-ce que le comprenez? Donc Christy Joël ça. Donc au moment qu'on a parlé à travail que le fait arriver dans sa chapitre 8. Donc nous était environ 5 chapitres pour le garder. Donc on a cet avlé que moi et fini plus rapide, même faut travailler plus rapide. J'espère que le travail plus rapide. Parce que objectif moi c'est première semaine octobre, il faut que du blague dans sur Amazon. Bah ça veut dire que et n'a joué sur Amazon depuis le sorti. Exactement. Premier bagaille, premier côté que l'a monté, c'est sur Amazon que l'a monté. Et donc après ça nous pouvons aller essayer faire contact avec l'autre groupe monde qui est intéressé pour que capable soit mettre disponible dans le ministère ou bien non comme tu es capable de ça côté que on vend livre, tout côté que on vend livre que ce soit des institutions chrétiennes bien, ou bien bon. Non chrétiennes qui veulent accepter parce que il y en a pour me dire que c'est pas un livre que toute organisation chrétienne va accepter publier pour qui ça parce que il mettait à nu mauvaise pratique qui dans l'église donc c'est pas un critique contre les églises parce que ça concerne nous bah on se comprend c'est bon bagage comme si dans gardou retirer tête mais c'est nous toutes qui gagnent de mauvaises pratiques que nous que livre ça m'a mis à nu qui dit faut corriger. Mais c'est Amazon d'abord. Alors, nous tendez tout détail qui gagne dans livre là beaucoup près, mais livre là qui pour le sortir très bientôt. Première semaine octobre, ou avez jeune livre là. Et ou avez jeune sur Amazon et puis gagne l'autre côté tout ou pour le joindre très bientôt. Avez dire que pour connecter avec 509, nous même nous télé 509 nous pas calage on a tout bagage, tout gens au gain pour passer. Très important tout forme d'auto. Nous connectons que télé 509 pour aller faire ça aller pour organiser nos vaccinations. Oui. Donc ça n'a pas annoncé, on fait tout ça possible pour capable faire vaccination ensemble.
Oui, n'a pas arrangé nous, entre nous mettez nous ensemble parce que c'est l'évangile qui a prêché, c'est l'évangile. Même les tags 20 institutions chrétiennes qui pas accepté, mais nous connaissons 25 quand même qui d'accord. Ça veut dire que 20 pas d'accord, 25 d'accord, n'a pas avancé parce que nous devons avancer. Alors, ça me dit tout, perspective de ça, il pas une génération ça. Ça catrice, quoi, quand là. Ça me dit la mesure de triste, il n'y a pas une génération ça. Est-ce que changer que ça, bon Dieu te dit, Moïse avec toute cette équipe, il dit nous ne va pas entrer. On va pas entrer. On va pas entrer. On va pas entrer. Pour ça que nous faisons, nous va pas entrer. Donc, plus je comprends l'évangile, plus je comprends la réalité qui vient avec l'expérience. Ou est-ce que deux mondes ne peuvent pas changer en rien. Même quand il y a la vérité, il est pur devant eux, même quand il est clair dans le coup de l'eau, puisque c'est sa maman, c'est quoi? Puisque c'est comme ça l'église que tu es, tu n'as pas changé. Donc, moi-même, je vise les générations. Génération, quand même. Moi, je vise les jeunes. Est-ce que vous avez avec quoi là? Parce que les jeunes, quand ils ont des questions, ils veulent des réponses qui sont sensées. Les jeunes ont cherché la vérité. Et mon frère, vous êtes d'accord avec moi que quand ils là, vous n'êtes pas capable de mentir. Parce que connaissance tellement disponible. À tous les niveaux, sous net là, nous avons une capacité pour faire recherche, pour aller dans la librairie, mais il y a des vidéos, des enseignements qu'a fait, des articles écrits sous net là, pas capable de mentir. Donc, génération qui a venu, moi, je pensais que génération qui a venu, c'est une génération qui est plus près des jeunes pour embrasser la vérité. Mais plus que ça. Et pas oublier, vous suivez l'émission ça, émission l'Évangile à Gogo. Français Bagay Mabdio, toujours été connecté avec nous. Like page là, toujours garder nous. Toujours garder parce qu'à chaque temps, à chaque minute, à chaque seconde, nous avons un bagage pour vous. Un bagage spécial parce que nous voulons une génération ça. Même Jean-Pasteur Moïse se dit là, que génération qui vient, elle vient joindre un bagage. Un bagage qui là, un bagage qui a fait avancer. Aujourd'hui, nous presque fini avec l'émission. Hein? Alors, question nous aujourd'hui, et pas un gros question, juste notamment fait nos cadeaux, un verset biblique pour le peuple là, pour tout le monde, parce que chaque temps nous avons un verset biblique, nous sentons plus à l'aise. Non seulement fait un cadeau verset là, mais notamment fait un petit détail pour nous. Bon, je ne comprends pas une question, même pas pour mon café cadeau, parce qu'il est déjà là. Il est déjà là pour nous tous, vous comprenez? Bon, j'ai déjà fait nos cadeaux, mais je ne vais pas partager là aujourd'hui. Ok, bon, regardez pour moi, je prends Somme 119. Je prends Somme 119. Okay. Et moi, je choisis Somme 119 et. Parce que dernièrement, je réfléchis sur Somme ça. Je dis que c'est un somme qui est extrêmement important pour moi comprendre la Bible, pour moi comprendre la parole de bon Dieu. Pourtant, c'est un somme que vous mettez en pile, que vous avez un pile préjugé par rapport avec lui-même. Je vous ai dit, stigmatisé. Bon, on souhaite ça. Quand pile monde trouve somme dans long par contre sur somme on a chanté le de quoi ça au ça son somme soit on passe à prêcher passer à l'heure du matin passer à terre somme donc ouais y a une stigmatisation qui fait autour de somme ça monde perd somme là ouais y a personne là ma préfète me dit ennemi a gagné mais le dévage pour monde parler dans somme ça parce que automatiquement quand on lit somme 119 qu'on comprend somme 119 dans la Bible, quoi comprendre dans la Bible. Je partage des ça avec mon pasteur Zami dernièrement. Je dis comme ça que je parle forcément sur Somme 119 dans l'église. Je dis pour qui ça? Je dis mon cher, on doit dire ça. Ce n'est pas blague, non, c'est vite. Je dis mon cher, nous avons un malfaiteur qui convertit. Je dis que nous sommes secrets dans Somme ça que tu ne connais pas. Je dis ouais, je dis waouh. Je dis ça veut dire que le monde connaît ce secret qui est dans Somme 119, nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce secret qu'il a dans lui. C'est mépriser, là, mépriser parce que nous sommes que toi. En regardant la vérité qui est dans le psaume, okay. Nous parlons dans verset 89. Il dit à toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Pourquoi chante-moi un message profond tant que vous verset ça. Je vais vous dire encore. À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Nous avons réfléchi sur le passage. Ça. Et faut me donner un livre là, je m'écris sur les tout. Naturellement, je ne vais pas dire que je m'écris dans le livre là, trop, mais je vais prendre un petit détail, un petit lumière. Ok, ok.
parole bon Dieu, ça nous dit nous que il subsiste dans ce ciel-là, à toujours. Donc, où elle rencontre, on est dans la pensée de l'éternité. Donc, on pense à la parole bon Dieu, à qui ça vous pense, supposé penser avec l'éternité. L'éternité. Maintenant, ça, ça avait dit. Ça avait dit, parole bon Dieu, ben nous, même quand les hommes passent là-bas à pied sous terre, Aléa, il est là. Ça veut dire, même quand les hommes ont décidé que ça, bon Dieu, bah nous, pas bon, il n'y a pas bon, Aléa, il est toujours bon. Ça veut dire, même quand les hommes ont essayé de prendre parole, ça bim ça, ils ont caché ça, ils ont caché, Aléa, il est toujours là. Maintenant, réfléchis, ça Jésus-Christ dit. On va maintenant ça Jésus-Christ dit. Pour qui ça, pour les Bibles là? Pour qui ça nous gagne? Ma pétez-nous? Ma pétez-nous? Est-ce que c'est pour nous faire volonté par nous ou pour nous faire volonté mon Dieu? Pour nous faire volonté mon Dieu. Bible là, c'est pour nous faire volonté mon Dieu. Qui ça Jésus-Christ dit? Là, montez-nous pour nous. Comment pour nous prier? Il dit nous. Notre prière, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Attendez bien. Comme au ciel. Donc, parole bon Dieu, bah, nous sur la terre qui est lié. Il est dans le ciel là. Toujours là. Et puis bon Dieu m'a dit pour nous prier pour que volonté soit capable de faire sous terre, même Jean lui fait dans le ciel. Ça avait dit. Il avait dit, bagaille que nous avons la Bible, que nous avons méprisé. Que nous choisissons pour un parti, pour rejeter l'autre parti. Parce que religion dit, ça n'est pas bon. Dans le ciel là, il existe. Wow. Pas grand rien qu'on voit que bon Dieu m'a dit nous faire sous terre dans la Bible, ça, que ce n'est pas une réflexion de ce qui a passé dans le ciel là. Ma bon petit poule. Un petit exemple pour me terminer. Sous l'hébreu, côté hébreu a dit nous quelque chose d'ordinaire, peut-être que nous pas penser sous lui. Il dit, là, il présente tabernacle là pour Moïse fait. Modèle tabernacle là, qui ça vous dit, Moïse? Il dit, Moïse, fais attention pour faire Jean au montant là. Et en plus de ça, il dit nous qui ça? Il dit nous, bon tabernacle en haut à tout. Il dit, bagaille que bon Dieu m'a dit les hommes pour faire sous terre, c'est bagaille qui est dans le ciel là. Donc, pas qu'il y ait quelqu'un qui dit nous c'est ça que bon dans la Bible, ça pas bon. Pas qu'il y ait quelqu'un qui dit nous bagage, ça c'était pour nous longtemps, pas pour nous. Il pas pour nous qu'on y a. Bon Dieu fonctionne à l'intérieur de l'éternité. Et parole que le bas nous a, la subsiste dans celle-là, même quand le monde sous terre pas le faire. Je pas qu'on est. Vous demandez un bon verset. Bah, on se voit. Oui, moi, je se voit là, quelqu'un, oui. Pasteur, il est entré dans le nom, moi, et me sentir l'entrée dans le nom. Gloire à Dieu. Téléspectateurs, gloire à Dieu. L'émission, ça. Alors, nous, tout, merci. Question, nous, ça veut dire question, nous, c'est qui conseille ou gagne pour la jeunesse qui pourrait jouer le livre, ça? Pour un bagage qui concerne pas nous, pour un conseil, tout jeune, yo, dégage pour gagner. Pour gagner le livre, ça. Que ce soit côtoyer, dégagez pour gagner. L'organe, fait promotion sur Facebook, sur WhatsApp, pas publier les liens avec nous, etc. Mais surtout, prends ton pour lire, pas apprécier. Parce que son livre, le premier chapitre qu'on peut aller à la bouleverse. Lorsque dans le deuxième chapitre, on va commencer à bouleverser tout. Parce que ça fait capable de ça, parce que moi-même, je découvre la vérité, ça va être bouleversé. Donc imagine, je suis assis dans l'école biblique. Je suis un pasteur qui a formé leader. Imaginez, à un moment dans la vie, malgré mon maîtrise en théologie, je vais découvrir que je ne comprends pas quelque chose que je ne comprends pas bien. Ou qu'à imaginer qui choque qu'on prend. Ouais. Donc moi-même, j'étais choqué. Moi-même qui ai écrit le livre, j'étais choqué. Donc moi-même, je suis choqué tout. Mais je prends ton, je lire, je prends des questions, je vais étudier des questions, jusqu'à ce qu'on arrive dans le dernier chapitre, pour être tout doux, aller parce qu'on ne comprend pas. Alors, nous disons merci à Pile Pasteur Raval. Nous disons merci du fait que vous avez accepté de venir sur le plateau 609 dans l'émission L'Évangile à Gogo. Et nous disons que bon Dieu continue à servir avec vous, dans la façon dont j'ai servi avec vous. Et pour continuer à faire ferme pour que l'Évangile soit là, pour ne pas gagner, même si la Bible dit pas ombre de variation, pour ne pas gagner ombre de variation. Alors, dernier mot, c'est qui ça l'a fait? Mais dernier mot, c'est pour me remercier Télé 509. C'était vraiment un honneur, un privilège pour moi, même capable d'ensemble avec nous. Et moi, remercier tous les téléspectateurs qui peuvent regarder l'émission ça.
Et moi, je dis nous merci de ce que nous avons trouvé que c'est important pour que nous soyons capables de moins. Et merci de ce que nous partager ce message-là. Donc, moi, je souhaite nous courage pour nous continuer à faire ce travail-là, pour nous persévérer. Je rappelle nous que c'est dans le ministère que nous sommes. Le ministère n'est pas facile, mais continuez à faire ça. Parce que les gens qui sont nous là dans le fidèle, ils sont toujours ensemble avec nous. Donc, que bon Dieu bénisse nous tous. Merci, Pasteur. Merci, que bon Dieu bénisse nous.